Alors, je suis Alexandre, je suis l'un des trois directeurs généraux adjoints de la société Les Big Boss. Mon périmètre en tant que DGA, c'est les communautés, les contenus et l'événementiel. Alors, qu'est-ce que c'est? Les communautés, c'est que je m'occupe d'animer, de recruter tous les décideurs VIP qui vont participer et évoluer sur notre programmation événementielle tout au long de l'année. C'est une centaine de décideurs de haut vol dans des grandes marques, sur des hauts niveaux de fonction dans le digital, qui vont participer soit en tant que jury ou invité d'honneur sur des événements et que je vais également animer à travers des témoignages de l'incarnation et de la production de contenu. Contenu qui est du coup le deuxième volet de mon périmètre, qui intègre tout ce qui va être lié aux enjeux de la communication, que ce soit la communication corporate, la communication événementielle, le marketing, la production de contenu, à la fois nos contenus corporate ou nos contenus fonctionnels, et également tous les contenus qu'on peut produire pour le compte de nos partenaires, puisqu'on a créé en début d'année une offre Content on Demand by les Big Boss, qui fonctionne comme une content factory dédiée à produire des contenus pour nos partenaires pour amplifier leur visibilité, leur expertise et leur participation à nos événements tout au long de l'année. Et le troisième volet, c'est effectivement le volet événementiel qui va intégrer toute la partie de production opérationnelle et logistique de nos événements, le pilotage des budgets, des dépenses opérationnelles et tout l'aspect expérientiel pour les participants sur nos événements, que ce soit sur une dimension artistique, effet waouh, étroitement lié en fait avec l'offre éditoriale qu'on propose sur nos événements. Moi, ça fait bientôt 3 ans que je suis au sein des Big Boss. Je suis passionné par mon travail, c'est un vrai plaisir et c'est très épanouissant de travailler au sein de cette société parce que les projets sont fous, ça se renouvelle sans arrêt. On a tous l'occasion de pouvoir aller sur le terrain, vivre nos événements de l'intérieur, être en contact avec nos communautés d'affaires, nos communautés de décideurs et de partenaires. C'est très très épanouissant. D'ailleurs, c'était pour moi un rêve de rejoindre cette société. Je pense que dans tout mon parcours professionnel, j'ai jamais vécu, on va dire, cette opportunité d'être autant épanoui, d'avoir des projets aussi impliquants, aussi passionnants et qui se renouvellent sans arrêt. Il y a effectivement une très forte dimension de par notre ADN, une très forte dimension digitale dans notre activité, également par les communautés qu'on anime. Et puis surtout pour les collaborateurs, en fait, on est sans cesse à la recherche de nouveaux outils pour performer le travail, pour performer sur ses objectifs. Et donc tous les collaborateurs ont souvent l'opportunité d'être onboardés dans des nouvelles compétences de maîtrise d'outils digitaux, ce qui est vraiment passionnant. Et puis, il y a également une dimension RSE qui est de plus en plus présente chez nous, puisque c'est une empreinte qu'on veut vraiment donner et un engagement qu'on veut vraiment donner à nos événements. Et c'est vrai que voilà, c'est très impliquant aussi de pouvoir réinventer nos formats pour leur donner une dimension effectivement responsable, ce qui pour nous est vraiment une valeur maintenant qu'on veut mettre en avant. Si j'ai un conseil à donner, c'est que postulez pour rejoindre notre entreprise parce que voilà, c'est une vraie tribu inspirante. Au quotidien, on vit des projets en équipe, des projets passionnants qui se réinventent, qui évoluent sans arrêt et avec une feuille de route à moyen et long terme qui va continuer à évoluer. Et puis on fait partie d'une famille qui est notre groupe, notre maison mère qui est European Digital Group, qui nous permet aussi d'avoir des grosses interactions avec nos cousins, qui sont que des sociétés très innovantes dans le digital, et ce qui nous permet aussi de quelque part de nous élargir notre champ de vision et notre champ de compétences.